Molt bona nit. Benvinguts al Millennium, al Canal 33. Fora de temporada, com ho hem anunciat, fem uns quants programes més i ens agradaria que aquesta experiència es repetís un any rere l'altre. Per què? Perquè farem uns programes dedicats a la literatura. Som bastant afortunats en aquest programa, per molts motius. Som afortunats, primer, perquè aquesta casa decideix tenir un programa com aquest, que avui en dia no és tan fàcil com sembla. És un programa on normalment escoltem a moltes persones, on intentem tenir arguments nous sobre els temes més polèmics de la nostra societat, siguin polítics, siguin culturals, siguin socials. I aquests programes que farem els dedicarem a la literatura. I, a més, ho farem perquè tenim la immensa sort que ens hagin deixat unes entrevistes per poder-les emetre dins d'aquest programa. Fem referència a les entrevistes mítiques del programa Apostrof, un programa que es va fer a França durant bastants anys, i el seu autor és Bernard Pivot. I som doblement afortunats perquè el senyor Pivot és aquesta nit amb nosaltres per parlar-nos precisament d'aquest programa que va fer tants anys ells. Bona nit, senyor Pivot. Com era això de l'Apostrof? Per què s'ha convertit en un programa mític, en un referent en tota la televisió de qualitat? Parce que je crois que les émissions littéraires étaient très rares, sont rares encore sur les chaînes de télévision, parce qu'elle était sur la télévision française, et on sait qu'en France, on a toujours accordé beaucoup d'importance aux écrivains. Toute l'histoire de la France est jalonnée d'histoires extraordinaires, de Voltaire, Victor Hugo, Malraux, tout ça, d'écrivains qui ont une grande importance. Donc les émissions littéraires ont encore un peu une notoriété qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Et puis parce que cette émission a duré, elle a duré plus de 15 ans et demi, s'est même continué après avec Bouillon de Culture. Donc, et puis je suis arrivé à un moment peut-être idéal, parce que la télévision était encore assez culturelle, pour présenter assez hardie, pour présenter à 21h30 des émissions comme celles que vous allez voir, et elle n'était pas devenue aussi commerciale, où il y a tant de canaux qui font que chaque fois on ne sait plus que choisir, on ne sait pas s'il y a tellement d'offres qu'on ne sait pas sur quel bouton appuyer. Donc je crois que je suis arrivé au bon moment, puis il y avait encore de grands écrivains, il y en a peut-être moins aujourd'hui, donc voilà, j'ai eu de la chance. També és un altre afortunat, però és un altre afortunat perquè, a més, pel seu programa han passat gairebé tots els grans, en principi, escriptors, en el cas d'Apostrof, però després de Bouillon de Culture, no tan sols escriptors, sinó que han passat, diguem-ne, persones del món de la cultura. Du cinema, del cinema, del teatre, etc. Digui'm vostè, de tots aquests personatges que ha tingut en el seu programa, quin és el que s'ha quedat més amb ell i a qui li agradaria haver tingut i no tingut? Alors, celui qui m'a laissé l'impression la plus formidable, c'est évidemment Alexandre Solzhenitsyn, puisque j'ai fait 4 émissions avec lui, 2 en France, 1 aux États-Unis et 1 en Russie, à son retour à Moscou. C'est donc pour moi, il a ponctué toutes mes émissions au cours des 28 années d'émissions littéraires que j'ai faites. Pour moi, c'est un peu le symbole même des émissions que j'ai faites. Parmi les gens qui m'ont le plus impressionné, il y a évidemment Nabokov, parce que je considère que c'est l'un des écrivains les plus intelligents, l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle. Et puis, j'ai eu la chance, évidemment, de rencontrer des êtres fascinants comme Georges Simenon, comme Marguerite Duras, comme Marie Tursenard, et beaucoup d'autres, et des écrivains américains, des écrivains latino-américains, et des Russes, etc. etc. Donc, voilà, c'est une sorte de collection. Mais il ne faut pas voir ça comme des médailles. Ce ne sont pas des médailles, ce sont des moments de joie, des rencontres extraordinaires avec de très grands esprits, et devant eux j'ai toujours été extrêmement modeste, bien entendu, parce que moi je n'ai été qu'un intermédiaire entre le public français, aujourd'hui le public catalan, et j'en suis ravi, entre le public français qui désirait apprendre, qui désirait écouter des grands écrivains, puis demain, le lendemain, acheter les livres et les lire, et puis ces grands auteurs qui me faisaient l'honneur de venir dans mon... Comment vous faites? Comment era el mètode de travail seu?
Vostè llegia el llibre durant la setmana, llegia més d'un llibre de tots els que hi havia en el seu programa, feia, els seus col·laboradors feien aquesta feina, parlava amb els escriptors abans d'anar a l'estudi, els hi deia com, quines preguntes els hi volia fer, quin era el mètode de treball. Alors, jamais de rencontre avec les écrivains avant, même pas au téléphone, je les avais même pas au téléphone, ils arrivaient, on disait bonjour et on faisait l'émission. Deuxièmement, aucun collaborateur n'a jamais lu un livre pour moi. J'ai toujours lu de A à Z, en annotant, en prenant, en mettant des commentaires parfois dans la marge, j'ai toujours moi-même lu les livres dont j'avais invité les auteurs. Alors, quand c'était une émission ordinaire sur un plateau avec 4 ou 5 auteurs, ben, je lisais évidemment attentivement ces écrivains que souvent un thème réunissait. Et quand il s'agissait de grands entretiens, comme celui avec Marie Tursenard, puisque c'est celui que nous allons voir ce soir, eh bien, je lisais et relisais une grande partie de l'œuvre de l'écrivain. Donc, c'était une émission que je préparais plus de 3 mois en amont. Je m'y préparais avec, je dirais, un peu comme un étudiant. Je bachotais, je lisais, je relisais. Évidemment, je n'avais pas lu tous les livres de Marie Tursenard. Il y en a encore quelques-uns qui m'ont échappé. Mais la plupart des grands livres, à ce moment-là, je les ai lus, sinon pour la première, en tout cas pour la deuxième fois. Donc ça a toujours été un travail extrêmement précis, opiniâtre. Et je l'espère, où je mettais ma petite intelligence au service de ces grandes intelligences. De tota manera, farem un petit parèntesi per dir que a vegades, no és el cas de la Jurcenar, no hi ha res pitjor que et sentis obligat a llegir una cosa per fer una feina. Una cosa és llegir per plaer, anar al cinema per plaer, anar al teatre també per gust, i una altra cosa és per obligació. I moltes vegades, quan els autors no són bons, o els directors, o les pel·lícules, costa fer un esforç. A vegades els espectadors pensen: ah, que bé, anar al cinema, una pel·lícula darrere l'altra, llegir una novel·la darrere l'altra. Però moltes vegades també això és una càrrega de feina i no sempre és motiu de plaer. Tanquem aquest parèntesi. Oui, mais il faut pas être masochiste, il faut prendre des livres et des films et des pièces de théâtre qui vous plaisent. Évidemment, si vous vous infligez les pires livres ou les pires films, ça, votre vie sera très désagréable. Mais yeah. Avui no és el cas, perquè el nostre programa tindrà una protagonista que és aquesta senyora, que és Marguerite Jurcenar. Ja saben que aquestes entrevistes que veurem aquesta nit, a més, han estat editades en vídeo dins d'una col·lecció que es diu Els monogràfics d'Apostrof. I a més d'escoltar aquesta nit Marguerite Jurcenar entrevistada per Bernard Pivot, vostès poden comprar la caset per tenir-la a casa seva. Senyor Pivot, com va ser l'entrevista de la Jurcenar? No va anar ell a l'estudi, sinó que vostè va anar a casa seva, em sembla recordar. No, pas du tout. Non, je suis allé chez elle en Amérique, je suis allé dans sa petite maison dans l'île des Monts Déserts, c'est dans l'état du Maine aux États-Unis. Donc je suis arrivé un jour vers 11h du matin. Nous avons, vous verrez d'abord au début de l'entretien, sa petite maison. Elle vivait très modestement, il y a une prairie autour. Au fond, j'avais l'impression de rencontrer une retraitée qui avait choisi de vivre aux États-Unis. Mais j'avais devant moi effectivement ce qu'on appelle le grand écrivain français, car elle avait ce statut qu'elle a un peu moins aujourd'hui. Elle est un peu dans le purgatoire aujourd'hui en France. Mais c'était le grand écrivain. Elle allait d'ailleurs entrer. Elle allait être la première femme à entrer à l'Académie française, événement majeur pour les Français, bien entendu. Donc, elle avait quand même la réputation de ne pas être une femme commode. Donc j'étais là aussi un peu, pas terrorisé, n'exagérons rien, mais j'étais un peu inquiet à l'idée quand même de rencontrer Marguerite Jurcenar. C'était la première fois que je la voyais, hein. Je n'avais jamais vu. Donc me retrouver chez elle, comme ça, dans son intimité, dans ce petit salon, en face d'elle, faire l'irruption chez elle avec toutes les caméras, les fils, etc. Je me disais, comment elle va prendre tout ça? C'est un désordre. Elle n'aime pas le désordre, Marguerite Jurcenar. Elle aime l'ordre, au contraire. Eh bien, elle a été admirable. Elle a été vraiment très gentille, très, très
très agréable, très courtoise et puis évidemment extrêmement intelligente parce qu'elle avait cette culture que tout le monde lui reconnaissait. Et je pense que j'ai essayé de tirer la quintessence en une heure et quart de ce qu'elle avait envie de dire, de ce qu'elle avait envie de faire passer, de la manière dont elle concevait la littérature. C'était une femme exigeante et on va voir d'ailleurs au cours de cet entretien que même devant une caméra de télévision, elle reste une femme exigeante. És curiós perquè Memòries d'Adrià a Espanya va tenir una espècie d'empenta especial, no per un prescriptor com vostè o per uns periodistes, sinó perquè el president del govern d'aquella època, que era Felipe González, va dir que el tenia sobre la tauleta de nit i que era un dels seus llibres de capçalera. Si jo no recordo malament, Felipe González va estar al seu programa també parlant sobre la seva visió del món de la cultura. Com va ser aquesta missió? J'aimais bien beaucoup faire venir des grands hommes politiques et leur faire parler, non pas de politique, bien entendu, mais de littérature. Je trouvais que ça aidait, ça encourageait les gens à lire. J'ai fait ça avec Valéry Giscard d'Estaing, avec François Mitterrand en France, et Felipe González, qui était venu avec son épouse dans une émission avec des auteurs espagnols et qui parlaient français. Et donc, ça a été une émission extrêmement intéressante, qui a beaucoup étonné les Espagnols, parce que je crois qu'ils n'avaient pas pensé à faire une émission comme celle-ci avec Felipe González. Mais je pense que Felipe González l'avait accepté parce que, justement, c'était en France et que peut-être les risques étaient moindres que de la faire dans à la télévision espagnole. Et les Français ont pris beaucoup d'intérêt. Ils ont été d'abord très fiers de voir que le Premier ministre espagnol parlait très bien le français, sa femme aussi, et puis aussi avait une connaissance. On a beaucoup parlé, bien entendu, de littérature espagnole, mais ils ont montré l'un et l'autre qu'ils avaient une très bonne connaissance de la littérature française. Fassim, deux petites confessions avant de voir l'entrevista. De tous les politiques qui vont passer par le programme, qui est le meu culte et qui est le que assumeix més bé els valors de la literatura. I en segon, la segona confidència és, de tots els llibres de la Llurcenar, amb quin es queda vostè? Alors, vraiment incontestablement, l'homme politique français qui est le plus littéraire, qui a été le plus littéraire, qui avait une culture littéraire vraiment considérable, c'est François Mitterrand. C'est vraiment, c'est lui, il n'y a aucun doute. C'était, d'ailleurs, je pense qu'il avait lui-même un style assez éblouissant quand il écrivait. Je pense qu'il aurait pu devenir, peut-être pas un très grand écrivain, mais en tout cas un écrivain tout à fait honorable. C'était un homme vraiment épris de littérature. Et puis, la deuxième question, c'est... Era de qui totes les obres de Marguerite Yourcenar? Ah oui, oui. Moi, je pense que c'est Archives du Nord, qui est un livre très émouvant, enfin, qui raconte un peu son enfance dans le nord de la France et surtout de la Belgique. Et puis quand même, les Mémoires d'Adrien, bien que je ne les ai pas lues depuis longtemps, et j'ai rencontré un ami l'autre jour qui m'a dit « Oh, je les ai relus, ça a beaucoup vieilli. Est-ce vrai? Est-ce faux ?» Ben voilà, ça va m'encourager pendant ces vacances à relire Mémoires d'Adrien. Moltes gràcies, senyor Pivot. Tot de seguida veurem Bernard Pivot en acció entrevistant a Marguerite Yourcenar, l'autora d'aquestes memòries d'Adrià, d'Opus Nigrum, l'obra negra, i de tantes altres novel·les, memòries, que realment li van donar aquesta espècie de segell de la primera gran escriptora francesa. De totes maneres, tal com ha dit Bernard Pivot, va ser la primera que va entrar amb tots els honors a la gran acadèmia francesa. Deixem ara de seguida a veure Marguerite Yourcenar i després tornarem a ser aquí una altra vegada per parlar sobre ella amb tots uns convidats, amb tot un seguit de convidats que seran aquí a la taula amb nosaltres. Fins ara. Et il dit à maman, enfant, j'ai désiré la gloire. Oui. Est-ce que vous, enfant, vous avez désiré... Enfant, j'ai désiré la gloire, en effet. Et la gloire de l'écrivain? Oh, je ne savais pas trop. Je voulais être quelque chose d'important. Votre mère étant morte quelques jours après votre naissance, est-ce que ça a été un manque grave dans votre vie? Je crois que le manque a été absolument nul. Car enfin, il est impossible, à moins d'avoir un caractère extrêmement romanesque, de s'éprendre, de s'émouvoir d'une personne qu'on n'a jamais vue. Bon, pourquoi avez-vous choisi ce personnage d'Adrien? Donc, en 1948,
C'était un personnage passionnant qu'un homme qui disait lui-même qu'il avait restabilisé le monde. Ça, c'est le premier élément de grandeur. Et le seul homme qui ait eu un culte presque insensé pour un ami mort pendant 9 ans. L'écrivain se trouve, et c'est ce qui rend l'écrivain si important, il se trouve devant cette matière informe, diverse, compliquée, qu'est la vie. Et il la travaille, et en la travaillant, il la voit peu à peu prendre forme, il se dit, tiens, ça donne certaines choses, ça produit certains effets. Et il nous permet aux gens de faire ces expériences à travers lui, d'analyser leurs propres expériences à travers les siennes. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une libération de la femme par la libération... Par l'aveu de la sexualité? Oui. Non, je crois que c'est une fausse libération. Pourtant, pour l'homme aussi. Ouais. Enfin, oui, mais enfin, je me souviens d'Alexis, dit « il n'y a rien de pire que le silence ». Oui, oui, Alexis étouffe dans le silence. Remettons-nous... Mais il y a beaucoup de femmes qui étouffent dans le silence. Oui, mais je ne suis pas sûre que la manière dont elles veulent s'en sortir soit la vraie manière. Alors, on m'accuse très souvent d'être misogyniste. Question idiote, à moins qu'on ajoute immédiatement qu'on est aussi misanthrope.